Donc désolé, il y a eu un petit souci. Attendez. Le son est un petit peu trop fort. Voilà. Donc je disais re. Ah d'accord, en fait, ça marche comme ça. Va changer, va mettre plutôt c'est un bras pour celui-là pour le boss. Désolé, je vais pas lire. Attendez, c'est un petit peu trop fort, je vais baisser le son. Voilà, donc excusez-moi, mais le son m'arrache mes oreilles. Alors, on va faire quoi? Ligotage. Si je me souviens bien, c'est peut-être ça à m'occuper. Oh! Force cosmique. Alors là, c'est un petit peu chiant parce que ça va augmenter, ça va booster un petit peu ses stats défensifs. Soit. C'est qu'il fait. Oh! Ouais, c'est pas grave. Pa 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 pa. Bonjour à tous, c'est Oracle 90. On se retrouve pour la suite de Pokémon Soul Silver Venom Hardcore. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Hein, la pêche. Peut-être pas parce que je crois que je couvre un petit truc. Oh là là. Oh, la dame au kimono. Ces membres de la Team Rocket, tous de vêtures noires, vont et viennent depuis tout à l'heure complètement affolés. Je me demande justement ce qu'il leur prenait. Ça veut dire que tu les as. Ah ah! Quelle force tu as! Tu seras peut-être même capable de faire venir le poké. Oh, ce n'est rien. Je dois m'éclipser à présent. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui, pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Qui n'ont pas suivi à mon let's play et qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Oracle 90 et donc aujourd'hui je vais présenter un petit peu ma team. Hein. Donc, j'ai un Dracaufeu, hein, donc Pokémon du type Psy et Acier. Qu'est-ce que... Ok, voilà, on y est. Donc attaque 66, défense 52, attaque P 62, défense P 57, vitesse 61. Ouais, donc c'est plutôt bien équilibré. Et donc j'ai un Cisaiox, Aqualie, Florizia, Siamoras, Malos. Alors Malos, pour ceux qui ne savent pas, vous savez le Levelator Shiny Rouge. En fait, quand je l'ai essayé de le capturer, ils m'ont donné un Malos Shiny. Donc, Rocher et Feu. Donc là, c'est un petit peu à la merde si je tombe sur une attaque de type eau. Il risque de me faire x4. Donc, une défense vraiment merdique. Hein, la terre. Bon. Donc ça, je sais pas si je le fais évoluer. Le Pokémon qui va évoluer. Je sais pas s'il sera Shiny ou normal, en fait. Bon, je sais pas du tout, donc c'est pas si grave. Donc pour avoir qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas comment on va faire pour faire évoluer Malos. Je sais pas si c'est une type il faut une pierre ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin pierre ou vous m'avez compris, une pierre feu. Attendez, je tape sur mon Malos Pokédex. Ok, alors qu'est-ce qu'il me dit Wikipédia? Je sais pas, je le dirai tout à l'heure.
Ouais, il me semble que je vais me frotter rival, pardon. Ah putain, me dis pas. Bref, what the fuck? Surprise! Cafard. Ah, ok, je me rappelle. J'ai appelé Cafard. Minute, ce que j'ai dit la dernière fois, c'était pour que tu pèses ta carte. J'espérais qu'en suivant, je pourrais retrouver ce Peter. Mais je l'ai toujours pas vu. Bon, bah tant pis. Je comptais me débarrasser de toi en seconde, mais l'ordre a changé. Il n'y a pas de problème, mon gars. Alors, Wikipédia, je sais pas qui va me dire l'info. On va faire psycho. On va psy. Est-ce qu'il va me tuer? Je sais pas. Bon, après ça. Oh! Extraordinaire! Ça veut. Allez, de herbe. Putain, il tient en plus. Ah, j'ai cassé mon sur en revanche, ça peut me faire mal. Ah, c'est au niveau 24 qui évolue Malos en Demolos. Ok, la tenue. Parfait. Bon Pokémon, c'est bien. Ok. Bon, j'avais pensé à mettre Cisaiox parce que je le sentais un petit peu chaud, hein, le rival. Bon, j'ai envoyé le grand coup de feu. Je pense que ça va le faire. Et on va tenter l'attaque vol. Moi, c'est sa meilleure attaque. Je vais me charger, je vais me charger tout. Oh non, t'as raté ton attaque! Oh, mais t'es vraiment. On rappelle que la précision de l'attaque poche c'est 85 ou 80. Vraiment de la merde quoi. C'est... Mais bon, il a une puissance de 145. Bon, c'est putain. Sérieux. Oh, super efficace. Accroupi. Non. Allez, vole. Tu dois le réussir là, bordel. Oh MDR, super efficace. Qui l'aurait cru? Donc là actuellement c'est en train de. Là actuellement je suis en train de télécharger la mise à jour de Rainbow Six. Donc vu que ça marche plutôt bien ce jeu, hein, ils ont décidé de faire pas mal de mises à jour en fait. Pas mal d'argent. Ok, on va pas prendre de. On va pas prendre de risque. Hein. Je prends le départ, mais on va le couper chéri. Bon bah je suis pas non plus super mauvais en Rainbow Six. Hein. Bon ok, je vais remettre un autre soin. Donc là si je change de Pokémon, là ils vont tous sont des malades. Du côté plus toxique. J'ai arrêté ton attaque parce que j'ai épuisé ta précision. Ok, parfait, t'as mis KO. Chenizel, ok, il n'y a pas de problème, on peut y faire face.
On portait, t'es sérieux? Est-ce que ça me fait mal? La crucifixion. Ah, il tient. Et si je fais un petit faux charge, est-ce que ça va marcher? Incroyable, incroyable. Un coup de croix? C'est une des meilleures attaques de combat, une des meilleures. Putain, il tient bien l'enculé, c'est fort. Il a quand même 32 ou 29. 3 niveaux plus que moi. On va changer de côté. Est-ce qu'on va le changer ou pas? Attends. Augmente les capacités. On va pas le changer. Vu qu'il a un bon équilibre. Pourquoi? Pourquoi tu t'énerves? Ferme ta grosse gueule. Oh. Toi tu m'as coûté cher. Hein. Bon, ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne. Les teams de la tournante. Ça veut dire quoi ça? Ah, on peut pas. Ouais, on peut pas utiliser deux fois la même attaque. Bados, ouh! Soit ça passe, soit ça casse. Yes! Attends, est-ce que ça va lui faire mal? Ah non, que dalle. Ah, j'ai trop abusé là, j'aurais dû pas faire fausse charge. D'un côté au croupi, je sais pas si ça l'aurait passé. Hein. C'est à peine. Masse d'os. De chien. Oh putain. Eh gros, il m'enchaîne. Bâtard. Fils de. Putain, il m'a enchaîné comme un gros gars. Pourquoi je peux encore? Attends, je suis allé, connard. J'ai récupéré le Pokémon. Bon, j'ai pas fini de lire. Bon. Alors que j'ai même pas pu. Je ne comprends pas. Peter aurait donc raison. Je gagne pas parce que j'ai pas assez de considération et d'amour pour le Pokémon. Je comprends plus rien. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Vous savez quoi? On va aller retourner en centre Pokémon. Histoire de les soigner, hein, pour éviter de les perdre. Et je vais ici passer au centre commercial, histoire d'acheter un petit peu de potions, de super potions. Parce que ça va coûter cher quand même, en termes de potions. Bon, d'un autre côté, c'est un petit peu normal quand même, hein, parce que en général, si j'avais pas joué en Nuzlocke, j'aurais foncé comme un gros malade en fait sur les jeux. Enfin, sur les jeux normaux, on va dire. Vous m'avez compris, hein, sans Nuzlocke, sans le random, j'aurais foncé comme un gros malade. Mais bon. Là, on est en Nuzlocke. Je peux perdre mes Pokémon. Je peux tout perdre en fait. Ah, ça doit être le livre de papa, de maman. Bonsoir, vous devez être Lewis. J'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Putain, encore des baies. Ok. Encore des baies.
putain, je me fais baiser, c'est comme dans la version platine en fait. Ah oui, super potion. Bon, ça c'est plutôt cool. Ah, mouchoir soie. Ça peut être utile, ça. Oh, il pient lune. Oh, GG. Full chat. Ah, ok. Masse de super potion. Après j'ai un potionmark, mais en général je les achète pas en fait. Ça me sert à rien parce que c'est rare que mes Pokémon, enfin surtout Nuzlocke, atteignent, enfin ils ont un PV plus de 200 en fait. C'est extrêmement rare. Je crois que j'en ai jamais eu en fait. Après les guérisons, ouais, ça sert. Parce qu'ils soignent aussi les Pokémon et récupèrent aussi leur PV, mais le truc le plus top qui coûte super cher, enfin c'est pour ça qu'ils sont super chers en fait, c'est parce qu'ils soignent aussi leur statut. Donc ça c'est vraiment top. Oh, qu'est-ce que tu me veux? Je me fiche si tu sais pas par où aller, si tu viens ici, tu dois t'attendre aux conséquences. Bon, je suis plutôt content. Mon Dracaufeu commence à attraper. Ok. Oh, putain, t'as évité l'attaque, comment t'as fait? Je crois que je vais m'endormir. Bon, je vais poster un truc. Oh! C'est quoi cette attaque? Oh, mais vas-y, réveille-toi, s'il te plaît, les dracons là. Tu m'as lâché! Oh salaud, tu m'as abandonné! T'as avec. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y! Dun, 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 dun. Yes! Oh maman! Putain. Si tu me dis que t'as encore à dépenser mon argent, putain. Ah ouais, t'as dépensé mon argent. Oh putain. Ok, c'était pas cool de ta part de m'avoir fait ça. Alors. Bon, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Je vais utiliser une super position pour lui. Ça peut augmenter l'attaque de mon Dracaufeu. Objet. Attends, qu'est-ce qu'il a sur lui? Bay Alga, c'est quoi ce truc? Il sert à rien, je... il sert juste à vendre des trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Quand on ouvre une porte, ça enferme une autre. Je crois pouvoir arriver à. Dun, dun.
Ah, Kaori, pardon, excusez-moi. Le croupi. Est-ce que ça va lui faire vachement mal? Oh putain, le mouchoir, c'est soit plutôt efficace. Excusez-moi, je suis en train de mettre des trucs. Oh non, mais t'es sérieux? Un Kaori, pardon. C'est quand même un très bon Pokémon. Saisi. En fait, le saisi, c'est quoi? On va encore essayer cette attaque. Parce qu'il fait aussi baisser à la précision. C'est plutôt une... un bon truc. KO. Oh, niveau 31, alors. Putain, j'ai une nouvelle attaque. C'est pas de nouvelle attaque. Un hirondelle. Ce Pokémon, j'aime moyennement, tu vois. Pas le... Qu'est-ce qu'il me fait? Il tente un lance-soleil? Trop tard. Un petit peu vous sélectionner, coller. Oh putain, mais tu déconnes. Bah excusez-moi les gens, on va, je vais sauvegarder et puis on se retrouve pour le prochain. Oh, non, je déconne, je vais faire une petite ellipse. À tout de suite. Donc désolé, il y avait un petit problème de patch. Donc repousse, ouais, pourquoi pas. Ok, je sais pas. Ah lui, mais c'est un brigand, lui, c'est un voleur. Envole, non, envoie ton blé. Oh, il veut me raqueter. Vas-y, je t'attends le coup. Ok, il n'y a pas de problème. Boum! La menti. Ah, là, ça rigole moins. La menti. Hurle le temps. Sérieux? Si je suis la tête d'un Pokémon légendaire en plus. C'est pas le gars ou Tiagra ou je me rappelle plus son prénom. C'est horrible. Il doit se recharger. Évidemment. Une attaque comme ça là. Attendez, je vais tester en direct avec vous. Les WeChat. Je vais parler avec ma cousine. Salut, est-ce que ça va? Écoutez-moi ça. Ça va? Ah, j'espère qu'il va répondre. Oh, body. Bold dive. Bon, j'ai essayé de parler avec lui. J'ai pas évité mon attaque. Oh! Là, je vais parler à mon cousin. Salut cousin, ça va? NDR. What the fuck? Ah bah c'est ça. C'est quoi ça? Je sais pas. Pas du tout. Encore un autre brigand.
C'est là qu'il a bazar les projets abandonnés. Je cherche des restes à voler. Salut tonton, ça va? Bon bah je prends un petit peu avec ma famille. Complètement. Oula! Putain, j'avais complètement oublié cette attaque. Elle pouvait être super efficace sur moi. Donc là, il va essayer de se régénérer pour le tour prochain. Bah, je ne sais pas le temps. Je suis un gros bâtard. Oui, je suis un gros bâtard. Un gros connard. Enfin, peut-être. Pas dans la avec la glace. Ouh, attends, est-ce que ça vaut le coup? Faut savoir qu'avec la glace, c'est une attaque prioritaire, il me semble. Oh, 10? T'es sérieux? Ah putain, c'est de la merde. Regardez-moi ça. 75. Après le fauchard. 95. Bah non, désolé. Ça aurait pu être cool, mais Carapuce. Ah, j'ai jamais eu de carapuce. Intimidation. Ok. Donc là, il va certainement baisser mon attaque. Ok, il va baisser mon attaque. Oh! Mon oncle a répondu. Écoutez-moi ça. Et toi? Et quoi, bonne année? Ah oui, parce qu'il était aux États-Unis. Il était aux États-Unis pendant le Nouvel An chinois. Bah écoutez, hein, c'est plutôt cool que ça part. Attendez, je vais le répondre en même temps. Bonne année à toi aussi! Alors, c'était bien ton voyage? D'habitude, je réponds pas, hein. C'est genre un WeChat, mais bon. Bon, si ça fait plaisir aux parents, voilà quoi. Bon, j'ai aussi profité pour soigner mon Dracaufeu parce qu'il prend un petit peu cher. Je suis désolé, mais j'avais aussi envie de discuter avec ma famille là pendant que je tombe. Bon, ça se fait pas d'habitude. Hein. C'est aussi une histoire de présenter un petit peu. L'application WeChat, hein. C'est un peu comme vous envoyez un SMS, mais vous pouvez dire, enfin, au lieu de taper des messages, mais vous pouvez aussi taper des messages. Bon, au lieu d'envoyer un message, vous pouvez envoyer un message vocal. C'est plutôt cool. Il y a certainement d'autres applis qui font la même chose, comme les parents et la famille sont dessus. Pourquoi pas faire la même chose, quoi. Pour débloquer ma vie. Parce que je vous dis tout de suite, enfin, vous savez pas, mais ce matin, j'ai bloqué ma mère. Alors, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Parce que chaque fois, ma mère m'envoie des messages pour me dire oui, est-ce que t'as fait tel truc d'année là? Elle me cassait les couilles, quoi. Enfin, c'est une maman. Peut-être pour vous, c'est la même chose, hein. Des fois, elle vous envoie une année là. Bon, du coup, je l'ai bloqué. C'était pas la chose la plus intelligente à faire. Non plus me casser des couilles. Déjà me casse des couilles dans la vraie vie, mais en plus virtuellement, bah voilà quoi. Mais bon, c'était pas non plus le truc plus affligeant quoi. Oh, je l'ai envoyé. Libégon! Oh, le Pokémon que je déteste à affronter parce que lui il est quand même badass. Quand même dur à battre. Comment je sais ça? C'est parce que quand je l'ai entraîné, mon Dracaufeu, je suis tombé sur un eBay au lac des Magica. Au lac du Spring. Putain, mais dans la gueule quoi. Que quoi non? Là, ça va me faire mal. Oh! Ah, j'espère que je le tue là. Non, je le tue même pas, putain!
Ah ok, on change de côté. Ah mon pote Olivier. Allez. Bonjour Olivier. Bon anniversaire. Oui, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et c'est quelque chose qui va faire sa soirée. Donc là je vais aller soigner mes Pokémon parce que enfin ils sont pas genre entre la vie et la mort hein. Le truc c'est enfin si peut-être pour mon Dracofeu il va pas bien c'est juste histoire de remonter un petit peu leur PP parce que j'ai un peu trop abusé sur sur quoi au groupie pardon au groupie une autre notification YouTube. Ah putain, bon aussi démonétisé mes vidéos ces bâtards. Genre j'ai pas compris pourquoi en fait. Histoire que des clics incorrects mais j'ai rien fait quoi. Je vous raconte ça. C'était il y a quelques jours en plus. Pendant la semaine j'ai reçu. Je crois que c'était un lundi. Non un jeudi pardon. Un jeudi. Je reçois genre un email de YouTube. Disons que mes vidéos n'étaient plus monétisées parce que j'ai eu des problèmes de clic alors que c'était pas du tout moi en fait. J'ai rien compris pourquoi. J'ai essayé de savoir pourquoi de faire une. J'ai envoyé un formulaire de. Oh, bah c'est bon, c'est déjà. Ah non, c'est fermé. Pas. Pour demander pourquoi ça a été démonétisé, tu vois. Parce que putain mais j'ai rien fait quoi fils de chien hop tu me verras alors on a perdu son chemin non tu as l'air d'avoir peur non tu n'as pas l'air d'avoir peur attends moi je vais t'apprendre ce que c'est la caméra bon bah du coup toutes mes vidéos sont été démonétisées je vais attendre un mois ou deux je sais pas combien de temps peut-être 6 mois d'un autre côté je m'en bats les couilles. Je gagne 0,01 centime. Et encore, je suis pas sur une vidéo. D'un autre côté, bon, je pense pas. À la base, c'est pas pour gagner de l'argent en fait. Quand j'ai commencé YouTube, c'est plus pour le fun. Ah, et je vais pas payer mon loyer avec 0,1 centime. Putain! Bah avec ça, je vais pas envoyer les impôts. À base, je les ai monétisés parce que, vu que je passe quand même un petit peu de temps sur YouTube, bah, je me suis dit, ouais, c'est efficace. Échange. On échange nos stats. Ah leur capacité. Ah il a pipi. Enfin la pipe pardon. Ok on l'a battu. Comment oses-tu? Mais ferme ta bouche, putain. Désolé, on va pas te répondre gros. Je vais essayer de soigner mon Dracofeu. Bon s'il avait lance-flamme ce serait cool hein, mais bon. Alors.
chaque pas, c'est sérieux. Oula. Ok les gens, on va s'arrêter là parce que là ça fait déjà 30 minutes qu'on tourne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour l'épisode prochain. Allez, ciao tout le monde, à plus.